Mon multiplat, il n'y a pas de, de bourlet. Donc je vais rajouter un petit bourlet là, tranquille. Bonjour, je suis parti du constat que mon multiplat n'avait pas le fameux bourlet. On va donc aujourd'hui créer le bourlet de mon multiplat. On va utiliser de la mousse expansive. C'est ce qu'on utilise d'habitude dans le bâtiment pour isoler les fenêtres. Mais en tuning, il l'utilise aussi pour par exemple élargir des bas de caisse. Et également rajouter des ailes plus grosses, etc. D'ailleurs, vous m'avez déjà vu sur TikTok l'utiliser pour justement en dessous de ces portes-là. Et ça fait plutôt propre, pas trop en fait. Donc, est-ce que ça fera propre sur mon multiplat On verra bien. Pour ce faire, alors est-ce que vous avez remarqué sur le fameux multiplat Il y a un petit détail il y a deux spots lumineux. Donc, moi aussi, je vais faire des spots lumineux, bien sûr, pour que ça ressemble vraiment au modèle original. Il lui manque plus que ça. Tout d'abord, mais. Une petite lampe. Et pour ce faire, vous allez me dire, attends, ça ressemble à rien. Normalement, on met un abat-jour sur ce genre de lampe. Et ensuite, on met une ampoule. L'ampoule, elle est là. Tac. Hop, on met, on met une ampoule. Là, je vais quand même vous l'allumer pour vous montrer ce que ça fait. Je, je vous sors une rallonge. Où est-ce que j'ai une prise Yes, elle fonctionne. Il y aura juste à camoufler ça. Vous allez me dire, mais attends, ça, ça va pas rentrer dans le bourlet. Le bourlet est certes énorme et hideux, mais ça ne va pas rentrer. Bah du coup, faut qu'on retire ça. Alors, comment on va faire On débranche du courant. Moi, ce que je veux, c'est récupérer le fil et ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est que ça. Bon, on va pas s'embêter. J'enlève l'ampoule parce que j'en ai qu'une. On met des gants pour ne pas se couper. Voilà. Oh. Allez, c'est l'heure du grand test. Et on n'a plus qu'à allumer. J'étais pas serein au moment où j'ai allumé. Euh, on peut faire du light painting là. Un exemple de light painting sur le multiplat qui s'affiche ici. Et franchement, ça fait un peu baguette de. Euh, Cardium Leviosa, Harry Potter, euh, lors de la coupe de feu, tout ça là. Euh, le choc des titans. Les plus téméraires d'entre vous auront remarqué que c'est une ampoule à l'halogène qui consomme donc beaucoup. Donc pour m'excuser. Le deuxième côté sera écolo. Et le deuxième côté sera fait tout simplement avec un panneau solaire. Donc, comme ça, aucune consommation d'énergie nucléaire. Tout est bon. La planète s'en voit sauver. Pas d'énergie fossile. Le petit panneau solaire est là. Et en plus, c'est pratique parce que, regardez, au-dessus du bourrelet, il y aura le panneau solaire qui prendra l'énergie du soleil. Et ici, mis vers la route, on pourra justement incliner l'angle. Donc, il faut juste enlever ça. Je pense que ça sera mieux. Ça fait un joli objet, ça. Je veux m'en servir comme salière pour chez moi. Un pot d'échappement. Un pot d'échappement. Ça sera notre futur pot d'échappement. Hmm, pourtant, je vois la pile. Il n'y a pas de. <laughs> ça fonctionne pas, ah, mince. J'en étais sûr. J'avais un pressentiment dans le magasin que ça n'allait pas fonctionner. Ah, mais si, je suis bête, ça fonctionne. C'est juste à une luminosité tout à fait faible. Hein. Regardez. En fait, il n'y aura même pas besoin de la lumière. Regarde, je vous... Je, vous... Ah, je vous explique. On va boucher le capteur. Tac, ça s'allume. Donc, en fait, il n'y aura même pas besoin d'appuyer sur un bouton la nuit. Dès qu'il n'y aura plus de lumière, ça va s'allumer. Bon, là où c'est bête, c'est qu'il faudra quand même appuyer sur ce bouton-là. C'est parti pour installer tout ça avec les fameuses bombes de mousse. Et bien sûr, on aura prévu également de la peinture pour juste après. Le temps de remettre la bonnette et de mettre la petite pince sur la cravate, on se retrouve dehors. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller du scotch sur la carrosserie du multiplat pour ensuite y mettre la mousse. Pour pas mettre la mousse directement sur la carrosserie, ça peut... Je sais pas, j'ai peur que ça écaille la peinture. En premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un petit chiffon et du dégraissant, pour tout simplement, ben, même si j'ai lavé la carrosserie hier, pour être sûr que le scotch adhère bien et qu'il n'y ait pas de, de bêtises. Et Donc voilà. et... Ouf, ça s'en fout pas. Enfin, reniflez pas ça. Je... Ah oui, c'est toxique pour l'homme, pour les animaux et inflammable. Bon... Faut ne euh, l'utilisez pas, tout ça simplement. Moi je, je dégraisse là. jusque là parce qu'on va faire la jointure. Hein. Je dégraisse et avant toute chose, vu qu'on va poser le fameux boudin là, ça serait dommage de poser le boudin sur une base pas saine. On va passer un petit coup de polish. On va voir si ça enlève. C'est quand on s'est pris un pneu de la vidéo précédente du multipla qui s'affiche juste ici. Avant de polisher cette voiture, pensez à mettre un like et vous abonner. Depuis tout à l'heure, je garde le polish dans ma fesse arrière. Puisqu'il fait un peu froid, j'avais peur que la pâte, en étant froide, serait un peu plus, un peu plus dure et fonctionnerait moins. Vraiment, c'est du bas de gamme. Hein. C'est vraiment le polish le moins cher que j'ai trouvé. Quelques euros, même pas. Sachez que ça m'arrive souvent sur ma voiture de beurre de mettre du polish. Parce que oui, il y arrive des petites bêtises avec des valises, tout ça. Mais je vous en parlerai bientôt dans une vidéo. Euh, une raison de plus pour vous abonner, d'ailleurs. Allez, on tartine. Oula, mince. Ça a un petit peu, un petit peu fait n'importe quoi, tout ça. Sur un peu de watts. Ou un chiffon à polir. Bon, j'ai ni l'un ni l'autre. Super, ça promet. Oh, mais oui, ça s'enlève. Oh, yes, Oh, c'est magique, c'est magique. Ça s'enlève complètement. Bon, mais voilà. Si vous vous prenez un pneu alors que vous êtes en train de rouler avec votre voiture et qu'il y a une trace de pneu, mais ça s'enlève. Le polish enlève les traces de pneu. N'essayez pas dans votre caleçon. Je ne pense pas que ça marcherait. Ça risquerait de vous gratter le trou de balle. Il faut vraiment donner de l'énergie. Hein. Ah, ça a rayé le pneu, a rayé. que tu vas avoir un petit caillou dans le pneu qui a frappé la voiture. Dans la vidéo. Et eh ben il est comme neuf ce multipleur. Et c'est parti pour scotcher. Alors oui je vais scotcher plus. Oui ça sent encore. Hein. Je vais scotcher plus large pour pouvoir justement mettre partout où je veux. Et après je viendrai couper le scotch pile au, à l'endroit où finalement euh, il y aura le, le bourrelet quoi. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ah il n'aura jamais été autant bichonné. Eh mais ça fait beau comme ça. Ça lui fait comme un petit un petit maquillage sur le cil là. Vous trouvez pas? multipla. On va faire au feeling. Hein. Et c'est là que c'est très spécial parce que la mousse expansive, il faut déjà que ce soit sec et dégraissé, ça c'est fait. Agiter 30 fois avant d'appliquer, il faut absolument l'appliquer entre 10 et 30 degrés. Là il fait 11 degrés, c'est vraiment parfait. Et ensuite, on pourra le lisser pour faire cet effet carrosserie ben, normal quoi, sans que ça fasse des, des petits boudins. mais pour cela, il faut une spatule et de l'eau. C'est de l'eau des égouts que j'ai récupéré, hein, vous en faites pas. Pour ça, Le métal absorbe l'eau. 1, 2, 3.

On au cours de cette vidéo, ne vous en faites pas. Peut-être qu'une seule bombe suffira, on va voir ça tout de suite. Allez oh, Mince Oh merde Ça part déjà mal cette histoire là. Mais pourquoi ça fait ça là Ah voilà, ça y est. Non Ok Oh là là Oh mince C'est pas du tout ce qui était escompté. Ça va le faire, ça va le faire. C'est passé par-dessous le scotch, ça n'a servi à rien de mettre du scotch. Ah ok, on peut crépiter comme ça là. Putain, ça a collé partout à la carrosserie quoi. Elle est nulle celle-là, bombe, je préférais celle que j'ai mise à mon bureau. Oh le fiasco. Oh merde. Je pense que... Oh merde. Oh merde, on dirait juste j'ai mis de la chantilly dessus, c'est nul. Un, deux. En fait, cette vidéo, c'est plus du secouage que autre chose. Hein. Allez, c'est parti. Ah, yes. Ah, on arrive à quelque chose de beau, là. pour ça que je suis content de ne pas faire ça avec ma vraie voiture. Ah, mais ça fuit, là, bordel de mince. Oh, merde, le pantalon. Oups euh. Bon, est-ce qu'on irait pas acheter une autre bombe là Ah, je l'ai fini jusqu'au bout, hein. je l'ai payé, je l'ai fini. Allez On va tâcher de nettoyer un peu le, le pourtour, hein. tant qu'il est encore temps. Qu'est-ce que j'essaierai pas de le lisser avant Oh, le fiasco, ça se lisse même pas. Non, mais attends, on s'est fait avoir sur la marchandise là. Allez, c'est parti, pochoir avec les mains. Avec les mains, c'est mieux. Oh, mm, ça donne faim. Deux. Problème, c'est que là, j'étale. C'est un peu la cata hein, qui se passe là. Hein. Ça se passe pas du tout comme prévu. Là. Heureusement, je garde tout le temps les serviettes du McDo. Ça va me sauver la carrosse Oh non, ça s'envolent, ils s'envolent. J'ai peur qu'il reste opaque. Ouais. C'est quoi cette tache d'huile C'est le multiplat qui fouille de l'huile comme ça On va en chercher une autre, mais une plus grosse cette fois-ci pour finir les choses. Parce qu'on laisse pas les choses comme ça. Il faut que ce soit fini. Quand on fait des conneries, on les fait bien. Allez, c'est parti, on y va. Ça y est, on est revenu avec une nouvelle bombe, c'est une marque différente, pour plus de revues sur les mousses expansives, regardez ma chaîne. Non, je rigole, c'est pas vrai, mais celle-ci, elle a un avantage, il faut la secouer uniquement 20 fois. 1, 2, 14, 15, et la 20ème en toute sensualité, 20. J'avais complètement oublié d'installer mon système d'éclairage. On va commencer par le côté écologique de la force, regardez on peut enlever le pied tout simplement donc là on peut mettre ça comme ça et ça tient plutôt pas mal et hey, trop bien donc la deuxième et comme c'est si une ampoule ça lui de partout on va pouvoir la mettre un peu comme on veut comme ça là non comme ça là voilà comme ça ça fera un petit côté lumineux ça va ça va ça va s'étendre la lumière de la mousse elle va gonfler beaucoup celle là bon déjà ça a déjà coulé alors que j'ai rien fait jarme mon pistolet comment ça va fonctionner tête en bas oh oui Ouh, c'est pas la même limonade ça. Hein Et elle fait beaucoup moins de petits éclats. Hop là. Ah mais c'est ça que je voulais. Ah, mince, c'était pas une bonne idée. Je voulais mettre la main pour guider. Eh celle-ci elle colle, La hein, vraie barba papa. <laughs> Waouh, mais là, ça a de la gueule, ça y est. J'ai l'impression de préparer une tarte. Au citron meringué, c'était vraiment une marque de merde. on arrive sur la fin de la bombe. Le train arrive en gare TGV 857 est à l'heure pour la destination Bourlay. Euh, par contre, on va essayer la fameuse technique du bac d'eau. Ah, si. mais ouais, je sais pas, je préfère utiliser la technique de couper les excédents après. Ça marche pas. Regardez, quand j'essaye de lisser. un bourlet qui effectivement est présent sur ce multiplat de deuxième génération qui n'en possédait pas. Je répare les erreurs de la nature. On m'appelle Simon le Chimère. On m'appelle on m'appelle on m'appelle l'ovni. Voilà, voilà mon multiplat ovni. Bon ça sert à rien. Tout ce que je fais c'est décoller la mousse. On se retrouve dans 5 minutes pour découper tout ça et le peindre pour un rendu maximum. On va voir si c'est sec. Ouais non. Oula. Il y avait écrit 1h15, ça fait euh, 30 minutes. C'est pas bon là. Bon, on repassera. Quelques heures après, la nuit est tombée. Il a même gelé et malgré tout, ça a l'air de plutôt bien sécher. On se retrouve le lendemain, ça y est, ah oui, ça a bien séché, on sent, ça a mal adhéré parce que la mousse d'en dessous, euh, la première utilisée, là, un peu bio, mais ben ça adhérait pas, et, et là en fait ça fait comme un vrai boudin, donc là je vais essayer de le, de le couper, je vais mettre des gants parce que je me connais, je vais me couper sinon, je vais peut-être couper au cutter, je sais pas, je vais voir, ah oui, putain, il y, y a du taf là, hein. Ça tombe bien, il y avait un seau comme par hasard à côté, je pourrais y mettre les petits bouts, pas que ça aille dans la nature. Je suis pas doué, hein. faudrait une râpe là, comme pour râper le, le fromage, je sais pas là, comme pour les kebabs vous savez, quand on frotte comme ça, brrr, brrr, là ça serait trop bien. Ça commence à prendre forme. Et un petit problème, j'avais pas pensé, euh, faut brancher l'ampoule au courant. Donc euh, une petite rallonge et on branche à la maison quoi. Mais le problème c'est que pour rouler avec, avec l'ampoule allumée, c'est pas possible. À moins d'avoir un câble tout le long du trajet. À la limite, si on va pas loin, un petit câble de 50 mètres, si on va à 50 mètres. Mais pour les petits trajets, il vaut mieux y aller à pied. Donc bon, bah, écoutez, euh, on, va, on va attacher ça comme ça. Voilà. Hop, en plus, ça permet de se servir de support parce que ça se barre un peu. Donc finalement, le fil est plutôt bien hmm, là. Une petite forme. Je vais drastiquement le rétrécir en coupant plein de bouts, mais ça permettra d'avoir un aspect vraiment très lisse. J'ai mis les lunettes de soleil, ça se réverbe sur ce blanc nacré, ça fait très mal aux yeux. Oui, super, ça commence à prendre forme. C'est parti, je vais pouvoir passer à la peinture. Donc je vais d'abord installer du papier journal pour ne pas abîmer la vraie peinture et ce logo ambulance et le pare-brise et tout. Et je vais peindre à la bombe et on aura ensuite le résultat. Je pense que ça va grandement améliorer, on verra moins les trous. Là, regardez, c'est déjà bien lisse. C'est parti, avec ces chiens qui aboient, c'est agréable. Yeah, je peux passer sous le boudin, c'est formidable. Il y a beaucoup trop de vent toujours ici, je sais pas pourquoi. Oh oui, ça donne un résultat tout à fait euh, adéquat. Mmh, ça sent bon. Oh, c'est très agréable de peindre. Pour pas faire de coulée, il faut être à 20 cm, mais quand je suis à 20 cm, ben, ça peint rien parce que toute la peinture s'en va. Euh, J'ai oublié de cacher là. C'est à peu près la même couleur que le véhicule de toute façon. Eh hey, mais c'est du Grinardo Je crée un bourlet grinardo. fameuse couleur de Audi, c'est magnifique. Chaque jour un métier, la dernière fois c'était ambulancier, cette fois-ci c'est graffeur. Le poignet souple toujours. Ça y est, je me prends pour un pro, ça fait deux minutes que je peins. Bah, je pensais que ça allait un peu lisser l'aspect, non, ça fait ressortir un peu les bosses. Bon, ça fait un délire, ça fait un peu... Ça donne envie de le croquer. Quand ça sèche, ce côté grinardo disparaît complètement, parce qu'il faut savoir que ouais, le grinardo, ça donne l'impression d'une peinture pas sèche. C'est beau, c'est magnifique. Mais là, dès que ça sèche, bah, c'est plus du nardo du coup. Peut-être qu'ils ont réussi leur principe, alors, parce que quand c'est pas sec, ça fait l'effet escompté, et quand ça sèche, plus du tout. Allez, on referme cette bouteille de... Faux grinardo. Au moins avec le vent, ça va vite sécher. Nous voilà partis pour le reveal Qu'est-ce que ça va donner C'est pas tout à fait sec encore. Je crois, mais je suis pas sûr. Les carrossiers, enlever un peu avant que ce soit sec pour justement pas faire de craquelures. Donc c'est parti. Déjà, je crois que j'ai pas trop taché la peinture en dessous. Ça aurait pu être le cas, mais ça ne l'est pas. Yes. Ah allez c'est magnifique. Alors je vais me reculer de deux pas pour admirer le travail. Euh, bah c'est pas trop ce que je pensais. Mince, mince, mince. Ah, je pense que si j'avais eu ce côté lisse, ah il y a deux des dé... oh, Ah, pas beau. Non bon, enfin bon. Si ça va, ça donne un. Ah je. Bon alors qu'est-ce qui aurait pu être mieux Déjà le premier, ça aurait été tout lisse, ça aurait été beaucoup mieux, ça aurait été uniforme parce que là le boudin est beaucoup plus gros. De ce côté-là que celui-là. Bon, c'est difficile d'avoir le compas dans l'œil. Donc, peut-être avec du mastic comme ceci, par-dessus pour le rendre tout lisse. Euh, c'est un peu plus de travail, mais le résultat aurait été beaucoup plus beau. Le mastic, c'est une pâte hein, qu'on met justement et qui, qui permet de lisser, qui est très dure. Hein. C'est ce qu'utilisent les carrossiers. J'aurais bien aimé qu'ils soit un peu plus haut, le remonter un peu. Voici mon multiplat. Il n'est pas magnifique. Yes oh, Je suis content quand même. Au moins, j'ai rendu à César ce qui est à César. J'ai remis un bourrelet à mon multiplat qui n'avait pas de bourrelet. Pourtant, c'est un multiplat et il n'avait pas de bourrelet. Du coup, maintenant, il en a un. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de revenir sur la chaîne. Je vais chercher le bel objectif pour faire justement des, des beaux plans un peu avec un flou. C'est le moment de l'enlever. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.